Ah oui, la justice dans le pays d'Haïti fait un gros coup. Yo maré tant coup crap et puis voyé dans prison pénitentiaire nationale, yo ancien chef comptable dans CAS. Après, yo rapport ILCC mettait dehors là pour causer trafic influence avec corruption. Rete là, nous pour dire qui ça bagalaye. Dans le pays États-Unis lui-même, gagne un petit adolescent 16 ans qui mourit à cause li trompé adresse, l'al frappé yon mauvais potkay par erreur. Yo grand moun pau blanche sorti avec zamni, li vide balle sous ti garçon sa nan gade sous écran là. Toujours dans États-Unis, gagne un black américain qui mourit dans prison Atlanta à cause Pinèze modèle 3 dans cellule là, yo touyel. Qui ça bagalaye? Est-ce que c'est Pinèze nous connaît qui a tout pouvoir ça? C'est question qu'a posé. Restez là, nous pour aller voir tout détail avec précision sur ça ou sur tendez là. Mais n'a demandé pour abonner à la chaîne là qui c'est Production 609 pour l'envoyer une vidéo pour pas rater. Parole là dit nan kase maya, yon jou n'a contrôlé bougon. La justice dans pays d'Haïti fait tout monde content. Yo réussi fait un bon bagage là que moun ka applaudi pour yo. Dans un rapport ILCC mettez de yo non cause trafic influence à corruption yo longe doit yo 17 longueur sous yo ancien chef comptable CAS qui t'a fait magouille qui relait Pierre Richard Vallès. La police arrêté hier madia après yo té invité venir répondre question juge crédible qui c'est Jean-Wilner Moré. Nous connaissons Jean-Wilner Moré dans appareil justice là son monde ben en pile respect parmi tout juge qui gagne appareil justice là yo retiré Jean-Wilner Moré en premier en tant que monde qui crédible. Les juges Jean-Wilner Moré fin temps de monsieur comme tout bien là et puis yo arrêté comptable là pour question corruption. Yo voye monsieur dans prison pénitentiaire et puis tout la justice tout mandé pour tendre directrice CAS là qui c'est Edwin Tonton sous bon parle pour qu'à répondre quelques questions juge là jeudi mercredi 19 avril 2023. C'est pour qu'a dit nous gen en pile monde dans boîte l'état qui a fait corruption. Gen monde qui pense boîte l'état yo c'est affaire personnelle pas yo qui lié. C'est yo qui a coupé raché, c'est yo prend moun yo vle, yo prend yo me dit gen chèque mort qui a sorti dans boîte l'état. Les juges Jean-Wilner Moré fin tande ancien comptable qui c'est Pierre Richard Vallès. Juge là kembe to ça li wè monsieur pas ka répondre question que li ta supposé répondre yo. Comme sou bien là agent ILCC yo qui t'a mené enquête dans CAS. Lè yo rive en dedans boîte là. Yo prend yon ordinateur Pierre Richard Vallès. Yo jwenn gen un fichier sou monsieur qui marqué Pierre Richard Vallès projet. Non fiche ça vous dit bien gen pile organisation qui pas existé. Le monsieur prend plusieurs l'argent voyé sous nom organisation ça yo. Les agents LCC yo al fouye zone Kalalou yo wè organisation ça pas jam existé. Et puis tout ça pi grave là monsieur prend famille madame ni, li prend madame ni, li prend 100,000. Le voye chèque sous nom moun sa yo pour qu'a prenne l'argent. Est-ce que nous de causé? Kounya la, le opposé mise question sous bagay sa, sous ordinateur sa qui gen fiche sa, li pa ka répondre. Et puis tout, juge Jean-Wilner Moré, tout voye misye nan prison pénitentiaire nationale. La di la, misye passe premier nuit li en dan prison pénitentiaire nationale. En dan de, confrère nous, Johnny Ferdinand, qui travaille dans la radio télévision Caraïbe, qui va nous plus de détails avec précision sur ce temps-là, parce que c'est M. qui gagne la cause. Les ILCC sortent le rapport. Ils sortent, on a dit, sans détail. Les Johnny Ferdinand prend le rapport. Ils viennent parler sur le grand boulevard. Cause après la rue, cause après le scandale sur tout le réseau. Et puis tout, c'est là, Pierre Richard Vallès, pour être jeune, arrêté sur lui. Voyez la prison pénitentiaire nationale. On attendait après ça, on a tourné. Nouvelle la Xalier depuis hier. Ancien chef comptable CAS là, Pierre Richard Vallès, il est passé première nuit dans la pénitentiaire hier soir. Donc juge cap instruit dossier, n'a parlé de Jean-Wilner Morin. Fin tendez monsieur,
et puis l'estime qu'il y a nécessité pour qu'il y ait monsieur. Mais on t'y rappelle tout petit, mes chers auditeurs, qu'on est intelligent. L'aime parler de dossier ça pour la première fois ici. Hein. Et comptable a été relé. Le comptable a relé. Comptable a presque non certain niveau. Voyez, j'étais ça que dit. Et lui même sorti pour le dépasser dans bêtise, pour le dire, un journaliste fougue tant que Johnny, pour qu'ils ont pas cherché qu'on dise ou pas cherché qu'on date. C'est comme si c'est moi-même qui dis bagaille. Marron, vous comprenez? Et pour l'histoire et pour la vérité, moi gagne yon moun ki konn parle avec moi, qui ses amis comptable. Et puis qui parle avec moi et puis qui explique que comptable vle parler avec moi voilà ti patata. Mais moun sa m'gen comme l'impression, il était presque vle mettre mel dans du feu pour comptable. Mais c'est ça me connaît me rassure, me dit ça que Dieu pas moi inventé, il existait quelque part. Et à chaque fois que une institution dans le pays, que la constitution ou bien les lois de la République prévoient que vous devez mettre là et puis régie fonctionnement normalement, qui font travail, moi comme journaliste depuis mon travail là, utile la République, m'a dit qu'ils travaillent là. En guise de rappel, mes chers amis, Pierre-Richard Vallès, que Mounio connaît, comme ancien comptable en chef ou institution qui est Caisse d'assistance sociale CAS. Dans le rapport ULCCA, qui ça te dit? Il dit que enquêteur ULCCO a fait perquisition dans le local institution. Il prend une série de laptops parmi eux, laptop comptable en chef là. Et sous base données yo joine sous laptop comptable chef là, m'a parlé de Pierre Richard Vallès. ULCC dit yo souligné divers cas corruption. Pourba yo dit. Yo dit gon fichier sous laptop là. Fichier ça li relé Vallès projet. Yo joine que comptable chef là li utilisé deux organisations fictives qui pas existé pièce côté que sous laptop comptable chef là pour le capable détourner l'argent dans CRS. Première organisation relé comment? Li relé intégration des jeunes défavorisés pour une nouvelle Haïti IJDNHA. Deuxième organisation relé organisation des jeunes pour le rehaussement de l'entrepreneuriat en Haïti OJREH. Dans le fichier, ça rejoint deux lettres de demande de subvention qui concernaient deux organisations. En avril 2022, pour deux projets, CAS baille 1 million de gouttes pour deux organisations. 600 000 gouttes pour chaque organisation de cette cité. En août 2022, deux organisations bénéficient de l'autre subvention de 1 million de gouttes. Qui donc, pour seulement exercice fiscal 2021-2022, il y a 2 millions de gouttes qui a joint deux organisations sa yo. J'aime te dire tout à l'heure qui existait seulement sous ordinateur M. Vallès là. Mais c'est pas moi qui dis, c'est ULCC qui a parlé. L'agence ça, li décaissé à complicité yon citoyen qui relé Jerry Saint-Amand. Qui ça ULCC dit? ULCC dit Jerry Saint-Amand ça, li c'est trésorier yon organisation yo. M'a parlé de première organisation qui c'est IJDNHA et puis même Jerry Saint-Amassa, lui c'est coordonnateur général dans deuxième organisation. C'est ULCC qui a parlé, c'est pas moi qui te dit ça. En guise de rappel, amis auditeurs, amis internautes, l'agence a n'a parlé à l'in non seulement dès que c'est la jeune organisation yo et pas de pièces bagay qui fait vrai, pas de pièces projet qui exécuté vrai. Et deuxièmement, organisation ça pas une adresse. Soit le chercher ou pas existe pièce côté. C'est ULCC qui a parlé. Novembre 2022. ULCC dit là au fin temps de Vallès, yo pose une question sur ça, lui répond ni dit comme citoyen, personne pas empêcher le faire une demande de subvention dans CAS. ULCC qui a parlé. Deuxième niveau de corruption.
que ULCC li souligné dans KCAS là. Li gagné bon gagné organisation qui relé Auchan Haïti, li dit Alexandre. Organisation ça te produit une demande de subvention de 100 000 goud sous administration ancien directeur CAS là qui c'est Franz Idriss. Pendant moun Auchan yo y a tant de subvention et ULC s'est rappelé que Auchan Haïti sous organisation qui existait qui gagne adresse normalement qui gagne matricule qui gagne attestation normalement. Donc yo fait on demande de subvention en bonne et due forme pendant y a tant chèque là. Eh bien gen Pierre Richard Vallès qui c'est comptable chef là, li entendu à comme monsieur qui relait Hector Bernardin, yo falsifié attestation ministère affaires sociales bay Auchan, yo falsifié matricule organisation, yo passé par en bas, y a le prend chèque 100 000 goud là. C'est pas moins deal, c'est lui c'est deal. On l'aime perdu temps de travail sur rapport yo. Moi ouais ça me vient partager avec la République. C'est moi même qui problème dans konya. C'est avec nous besoin régler compte dans konya. Nous connait adresse ULCC, nous connait institution, nous connait toute barre de lit. C'est moi n'a écrit pour nous bonne pression. Yon l'autre côté concernant monsieur Pierre Richard Vallès là. Pour même exercice fiscal 2021-2022, enquête l'a révélé. Pierre Richard Vallès ajoute moun pal dans différents listes bénéficiaires subvention CASO. Li ajoute moun pa madame li. Madame li rele Manouche Arelus Vallès. Li ajoute moun pa se madame li ki donc belle sel Raymond Arelus. Et gon l'autre mob dans famille en tout qui c'est Woody Arelus l'ajoute moun pou yo. ULC se dit d'après enquête li proche Pierre Richard Vallès qui c'est comptable en chef yo kembe hier qui passe première nuit dans pénitentiaire nationale là. Yo bénéficier chaque subvention qui est valée à 1 765 000 goud pour un seul exercice fiscal. C'est pas moi qui parle non. C'est petit gars mon nom de cap. Acheter ça yo dit. Yo dit c'est Johnny fait dit notre problème là papa. Vous comprenez? Nous entendons confrère nous journaliste Johnny Ferdinand qui t'a fait comme même comme vous bien là, il t'a détaillé. Il t'a donné plus précision sur Samsung dit là qui c'est rapport ULCC mettez dehors là côté lui intégrer nous Pierre Chavalès. Johnny Ferdinand son a fait un bel travail dans radio télévision Caraïbes dans journal Première Occasion, lui détaille rapport de la tête aux pieds. Femme vous bien là, après le film détaille rapport ça grand pile menace qu'a joindre, il a parlé c'est mal. Femme vous bien Pierre Chavalès t'a gagoté l'argent CAS. Lui-même avec zami, famille et alliés, et puis tout, c'est des organisations qui pas existé. Pierre Chavalès a voué l'argent sous yo. Comme quoi, l'argent a joué une organisation. Pourtant, c'est menti. Organisation a créé sous la forme, pourtant, sur le terrain, il pas existé. C'est la raison pour laquelle ULCC a allé. Non CAS, yo prend yon ordinateur Pierre Chavalès, là yo fouye le jeune yo fichier qui relé Richard te dit Pierre Chavalès projet et puis tout le al fouye yo jeune en pile fraude monsieur t'a fait non boîte l'état kounya là yo arrêté monsieur Pierre Chavalès passe première nuit li dans prison pénitentiaire nationale hier soir. Jodi a là juge Jean-Wilner Moreta, si vous attendez, directrice CAS là qui c'est Edwin Tonton, toujours dans le même dossier corruption ça, avec rapport ULCC Sotia sous question et influence, négatif trafic, influence avec corruption. Voilà, la justice haïtienne font bel coup, un pile monde content, un pile monde abat bravo, la contentement pour rapport ça, ULCC. Sorti de yon la. Pa bon l'autre bon, kaye Toto Sam, fom zou bien, ki nan pays États-Unis, gen yon blanc américain ki rele Thompson. Misye gen 35 ans, se misye nan gade la sou ekran. Misye mouri nan prison Atlanta, États-Unis, a cause pinez morde misye trop nan selil la. Si selil la te 3 sal,
pinèze envahi misye, yo sou se sa misye misye mouri. Le yo autopsi cadavre la, yo révélé li attrapé yo infection nan prison an, se raison pour laquelle li mouri. Question tout moun a posé, est-ce que c'est pinèze yo konnen ki touye misye tout bon vrai nan prison an, ou bien tout c'est un prétexte yo pran sou pinèze la pour ka fè capital politique yo pour ka fè tout moun konnen c'est pinèze ki touye misye pour ka boucher question raciste ka pale ya yo façon pour pa konnen c'est raciste ki touye misye nan prison an. Imagine yo nèg non cellule c'est là tellement sale pinèze envahi misye nan cellule la yo tellement mort de misye nan cellule la misye mouri. Kounya la, gen yon pi moun ki di, se raciste ki a cause misye mouri an dan prison an, kesyon pinèze a pale ya, se pa sa liye di tou. Depi pou dat pinèze existe, pinèze a pete mort de moun, pou ki sa, se premye fwa yo pral tande, pinèze touye yon moun nan prison. Wè la, gen yon pi moun ki di, se capital politique ki a fait sou pinèze la yo pran prétexte, c'est pinèze qui touye misye an dan. Pinèze a tellement mort de misye, yo ba misye infection qui fait que misye arrive mouri. Pourtant, c'est pas ça pa gala yé dit tout. C'est ça gen pile moun qui fait qu'on est. Bref, toujours dans même dossier raciste, dans pays États-Unis, gen yon drame qui passe sou yon adolescent. Femme ou bien, le mal fouye son nan kalalou, yo dim, question raciste la qui nan pays États-Unis, baga sa très fort. Gon jeune garçon, un petit moun qui gen 16 ans, misé rele Ralph Yal. Misé gen 16 ans. Misé mouri à cause li frappé porte. Femme ou bien, li frappé porte, yon porte qu'elle passe sous les frappé. A dit li va l'arrivé frappé porte là pas erré. Li trompé de adresse. C'est le ça ou femme konnen. Ti garçon ça regarde sur écran là. Monsieur kon joue saxophone. Maman monsieur ou men dira di parent monsieur voyel a chercher des petits frèl nan yon adresse non zone ndega di Kansas City. Après li fin sonné yon porte pa erre yon grand moun peau blanche ki genye 85 l'année. Li ouvert porte la li wè son petit garçon peau noir li sorti avec zamni. Li simé coup de balle sous Ralph. Misé mouri. Ça veut dire là, misé mouri pour couler Paul. Dès que son petit garçon pour noir, li arrivé sonner sonnette là, pas erré. Dès que ses parents qui te voyel aller dans zone pour te calder des petits frères. Et puis tout, misé lui dit tromper adresse. Là il sonné porte petit gars mon pauvre ça. Li sorti avec zamni, li tiré Ralph qui sont un adolescent qui gagne 16 années. On y a là est-ce que nous ouais qui quantité négatif raciste qui gagne dans pays États-Unis. Jusqu'il est ça fini, nous songer gros scandale qui était fait dans époque George Floyd côté des blancs policiers qui t'est arrivé tout fait George Floyd, nous te ouais qui était scandale qui était gagné dans monde là à cause pour ces pauvres saillots qui étaient assassinés, George Floyd, il était tout fait, lui mourit après, il était fin, minotil. Qu'on a là, métier à son salut même qui gagne 16 ans, lui arrivé mourir sous même cause raciste là. Et puis tout, Black American ça qui n'en prison à Atlanta, lui arrivé mourir sous même cause raciste là. Jusqu'il est raciste a fini dans pays États-Unis. C'est question à poser, nous pas réponse. En tout cas, cette information de gagner pour aujourd'hui là, n'hésitez pas à liker, abonner et puis peser sur la notification pour les nouvelles vidéos pour pas rater. N'allez rendez-vous dans la prochaine émission pour Gavin Tété et l'autre dossier. Gros garçon, le monde toujours présenté et moi en pile monde les a parlé. Il a toujours évoqué non monsieur. Pardon. Monsieur ça relé Martin Luther King. Je te dis un bagaille, Pierre, Lydia Alexandre. I have a dream. Il y a un rêve. Matin, même si ce n'est pas dans le même contexte, m'envie reprendre
même parole ça pour me dire dans la langue maman et papa, moi j'ai un rêve. Et moi j'ai un rêve pour pays ça. Peut-être que me dit déjà moun pas prêter attention à ça. Peut-être tout c'est première fois me bra le dit. Qui rêve lié monsieur dame? M'ta remé avant mourir. Avant je me ferme, avant petit bout de souffle moi coupé. Pour moi yon Haïti côté gon justice qui digne de ce nom. Yon justice côté yon pas gade sous couleur peau justiciable. Yon justice côté yon pas gade sous couleur cheveux justiciable. Yon justice côté yon pas gade sous niveau l'argent justiciable pour yon bal justice s'il mérite justice. C'est ça que t'as capable de dire, Lydia Alexandre. Yon justice sans passe pour qui? Sans fausse côté. Peut-être yon moun ki ka di m'fèk ka rêve. Mais moi-même, moi rêve, ouais, ça. Ou kon sa ka passe, si nous résout problème justice là dans le pays, n'a pas résout un gros problème et qui pral tout bas nos solutions pour un paquet l'autre problème. Gros problème n'a pas résout la lirele impunité. Et n'a pas songé, Pierre, nous te font échange, nous t'a expliqué que, contrairement à l'ancien président Jovenel Moïse, problème pays a, c'est pas corruption 5 fois, c'est plutôt impunité 5 fois. Parce que si on a fait un bagage là, si on a dit un bagage là, en dehors de principe, en dehors de normes, si le connaît, gagner un bagage qui carrivel ou bien caprivel, mon chèm pas bon mentir ka regret pour toute la ville et a bon signal positif qui voye bay moun ki ka gagner intention pour faire même bagage là dans le futur et moun ça l'a réfléchi 10 000 fois avant le fel. C'est ça que fait toujours dit m'pa kwè c'est haïtien qui pi criminel sur la terre bénie. M'pa kwè c'est haïtien qui pi volé sous la terre bénie. M'pa kwè c'est nous pi corrompu sous la terre bénie. Au contraire, si nous regardons toute campagne, tout document, tout ça qu'a dit sous question corruption en de pays a pas dans pays a, je dirais à travers le monde, yo dou combattre la corruption. Yo pas dou comme dit éradiquer ou faire disparaître corruption net. Yo dou combattre. Parce que depuis que moun on côté, le bon série de bagay qui est tendance à faire. Donc, mais on dit combattre li à travers des outils, des mécanismes pour empêcher que plus moun verse vers là. Moi-même, comme jeune garçon, je dis, moi décidé dans ce ça, bail pays en coup de main, bail la République en coup de main. C'est ça, peut-être moun qui savait, ou ta carrelé le journalisme utile. Je dis à moi vle utiliser espace ça que m'gen chance là dedans là. Peut-être gen moun ki te capable ba écoute mais pi bien passé mais qui pa gen possibilité espace là. Micro ça que m'gen chance à parler à client, moi vle et moi décidé au péril de ma vie ba la République en coute main. Ba la République en coute main c'est pas nan détruit personne. Et moi-même moi prend engagement ça à tête moi. M pa gen droit jamais utiliser micro plus moins téléphone qui nan même là ou bien n'importe l'autre gadget réseaux sociaux pour me détruire personne sur la terre. Quel que soit ça moun nan ta ka gen avèm, quel que soit ça moun nan ta ka gen kote moi, moi joine des critiques, moi joine des moun tout qui très remonter kote moi. Même pas jamais vinn là pour me dire ça. M'pa jamais vinn là pour me régler ça. Parce que moi même penser question personnelle, yo m'a réglé en privé. Donc si on me dit mon bagaille ou bien ou vinn directement ou discuter des bagages, même m'a répondre en privé, m'pa besoin vinn là. Donc faut que ça m'a dit aujourd'hui avec écoute ça caribien, hein? Avec audience ça caribien, hein? Faut le cas utile pays. Hein? Là me vinn là par exemple, moi traiter des dossiers Marc Joël Jean. Qui impliquait de moun.
moi pas gagne problème personnel avec moun yo. Mais malheureusement moun sa yo l'aime cité non yo, yo pense c'est moi qui chita en côté qui imaginons ensemble d'informations sur yo, qui fabriquons ensemble de bases sur yo. C'est moi-même qui juste couché la caille moi et puis me dit qu'elle bon me vienne raconter un ensemble de bases sur un sérieux de monde. Non. Moi travaille sur des sujets. Moi travaille sur des dossiers. C'est des dossiers que le grand public pas gagne accès à lui. Et comme journaliste, moins chercher, moins fouiller, moins joindre, moins perdre du temps, moins prendre ça me doit prendre, moi viens la partager avec nous. Qu'on y a si au monde les m'a parlé, moins dit comme ça, mais qui ça qui dit sous et moins dit mais qui est-ce qui dit. Qu'on y a si ou voulez un problème. C'est pas avec moi un problème. C'est moun d'ailleurs moi vinn là moi ba référence moi. A pa mte a di des bagay ki nan rapport BAF bureau des affaires financières de la DCPJ. Moi di mais ça qui gagne nan rapport a. Mais qu'on y a si non moun cité. Est-ce que c'est avec moi qu'on y a là pour gen problème? Est-ce que c'est moi même pour chercher à battre à tout prix? C'est qui t'est Bourik là et puis al bat sak sou do Bourik là. On va al ba ou 2 à 3 exemples avant m'rivé sous dossier matin. Gagné 11 amis. Nan dossier épiscopal là moins cité non. Mais moins dit comme ça information que m'gagné 1 2 3 4 mais dans qui sens monsieur lui-même l'impliqué dans le dossier. Monsieur fait tout proche lui connaît à ces allégations mensongères, ces bagailles m'pas connaît, m'a parlé, il pas gagné pour abaisser ça yo. Les balles a commencé mangomé. Même moun sa yo zami t'a expliqué ça, li rele yon nalo li mon chèm pa ka bon menti, mais qui ça ba la est vrai. Comme c'est mon pas moui, m'a pas bon menti, mais qui ça va là, est vrai. Un deuxième exemple, Lydia Alexandre. Lundi, je viens là, m'a parlé de l'ismoun. La République Dominicaine rend public pour dire que moun sa yo pa gen droit pile tel akayo. Moi, te souligné un point, Lydia Alexandre. Moi, te dit que alors que la presse dominicaine rapportait que c'est moun qui sanctionné par le Canada et les États-Unis qui sont liste là, mais il y a des moun qui sont liste là qui pas ni sanctionné par le Canada ni sanctionné par les États-Unis. Tout au moins officiellement. Et dans moun sa yo, moi dit gagne le ministre de l'agriculture monsieur Charles Aubredi. Me dit ah sanction Canada, m'pa wè non Charles Aubredi la dedans. Sanction canadienne yo, m'pa wè non Charles Aubredi la dedans. Sanction américaine yo également. Tout au moins, est-ce que c'est vini ou beaucoup vini, ou bien est-ce qu'il faudra encore attendre? Même si jusqu'à présent, non pas la dedans. Et puis, m'a pensé, gade, qui ça t'a expliqué que Charles Aubredi, comme ministre de l'agriculture, li gen non figure. Non. On liste côté, il y a des anciens parlementaires, il y a des businessmen, il y a des anciens premiers ministres, et puis il y a des chefs de gang que la République dominicaine dit, il y a des points de pied au la Kaili. Et puis me rappeler, à partir de données que je gagne même, le ministre de l'Agriculture, il était gagné pour y aller en Équateur, dans la capitale pays, ça qui c'est Quito, dans le cadre d'activité FAO. Yo te doué transiter par les États-Unis d'Amérique. Yo pas de fel, yo t'allé l'Équateur quand même, yo t'es passé l'autre côté et ça qui était à la base un problème de visa. Ah, gen moun ki nan équipe pour ministre qui est estomaqué. Gen moun ki nerveux. Gen moun ki a cherché discréditer moi. Bon gen deux même qui t'ai écrit guerrier dont le chef de cabinet pour dire ça m'a dit là pas vrai, par contre ça m'a parlé et qui même a raconter
que ministre te Miami, te États-Unis, l'ité dans tel état, dans telle ville, tel. Et m'te retorqué pour m'te dire que son faux débat. Pourquoi ça son faux débat? Est-ce que ministre n'a pas dû passer par les États-Unis vrai pour l'Équateur? Oui. Est-ce que il était allé vrai? Non. Est-ce que c'est pas de l'autre côté où était passé pour y aller? Oui. Mais qu'on y a wap dit que ministre là, il était venu gagner visa après. Mais si mon ça était pour un petit temps pour y réfléchir avant de défendre ministre là, yo t'a comprendre que visa sont question de courtoisie. Pays bon visa à 10h05 li kabaoul. À 10h06 li ka révoquer le tout. À 10h07 li ka rebaoul. Ma konn sou comprendre. Ça t'est arrivé dans un moment donné, ministre là t'a gagné visa ou bien équipe ministre t'a gagné visa, t'a un problème visa et puis non l'autre moment, il ont résolu les bonnes raisons X ou Y, c'est officiel quand même. Maintenant, yo préféré prendre ma grappe. Comme si par contre ça m'a raconté ya. Deuxième bagaille, moi rappeler que l'hypothèque communiste t'a arrêté Charles Brady dans l'époque DCPJ t'a marré le concrabe dans cadre dossier PADF. Il est donné dans même pour me dire ça. Mais là me dit ça équipe ministre enlevé. Yo fâché. Mais c'est moi qui inventé le. Non. Moi-même me profite matière pour me dire équipe ministre agriculture. Au lieu que pour yo fâché contre moi par rapport à ça me dit ou bien ça me raconté yo. Plutôt yo mobiliser toute force toute énergie pour yo mander Ariel Henry comme chef de gouvernement. Dans cadre on rapport l'état avec l'état. Mande explication bon côté autorité dominicaine pour qui ça yo mette non au ministre en fonction sous liste on série de monde parmi yo chef de gang qui pas doué piler territoire dominicain. C'est ça m'invite ou faire matin, c'est pas moins pour yo abattre parce que la nouvelle c'est quoi? C'est que le ministre de l'agriculture, le ministre haïtien de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, li figuré ou bien li sous en liste de moun que la République dit, puis qui a mis point de pied au la Kaili, et parmi eux, il y a des chefs de gang là-dedans. On ne peut pas parler pour l'autre moun, yo, des anciens parlementaires, des anciennes autorités, soit anciens premiers ministres ou autres, ou bien anciens présidents. On ne peut pas parler de yo. On ne parle d'un ministre qui est en fonction. On ne peut pas parler à un ami. Zami a dit, où est Kajodi à la, si il y a un dossier agriculture qui implique deux pays, yo, et que vis-à-vis yo c'est de ministre agriculture côté ministre ça doit voyager en République dominicaine dans cadre d'activité pour la rencontrer homologue li pour gérer une question agriculture qui implique deux pays qui sont l'île là. Voilà que je dis à tout pas qu'à mettre point de pied la carreau. Donc moi penser que dans les heures qui suivent décision ça, si n'te gen dirigeant qui te gen couille, si n'te gen dirigeant qui te respecte tête yo, Ariel Henry ou bien ministre affaires étrangères si vous voulez t'es doué faire démarche pour demander de la Dominicanie explication pour qui ça un ministre en fonction ministre gouvernement. Mais c'est scandaleux, on parle quand même de ministre en fonction pour qui ça lit sous liste on s'est eu de monde et parmi eux qui chef de gang là d'ailleurs parce que pas bon menti si n'tape fait pays si n'pas rester avec t'as bien une réponse diplomatique rapide. Parce que si on met sous sous même liste avec gang, il voulait dire ça, il voulait dire. Mais malheureusement, Mounio, c'est avec moi qui a un problème, comme si moi qui avais inventé là. Donc, au lieu d'être été sous non-ministre qui sont en liste comme ça, qu'on y a eu dit, m'a parlé de bail qui passe sous question visa. Visa qui a bon n'importe là, qui a retiré n'importe là parce qu'ils sont courtoisés liés. Je suis sous ça, Matin, c'est pour me dire que moi-même, depuis nous avons parlé de dossier dans l'espace, je me rassure que je gagne un maximum de